Bonjour mes enfants, je suis la mère de François et ça fait 2 mois que je suis venue en France. François, il travaille dans les nations. Il gagne beaucoup d'argent et je suis venue le voir. Il m'a laissé avec son épouse et maintenant elle m'a servi la nourriture. Je ne vois pas ce qu'elle m'a servi. Ça, c'est quoi ça? Le poisson. Ça, c'est le poisson. Ça, c'est la qualité de poisson. On mange ça comment? Où sont les bars? Oh, poisson. Oh, je mange pas ça. Oh, je mange pas ça. Ça, ce n'est pas le poisson. Dans mon pays, on a les gros poissons avec la tête. Où est la tête? Moi, j'ai mangé la tête du poisson. Je vais appeler mon fils. Allô? Allô? Je suis à la maison. Ta femme m'a servi le poisson. Il n'y a pas la tête. Ce n'est pas le poisson. Elle veut me tuer. Ta femme va me tuer. Où est l'autre femme que tu avais avant? C'est elle qui était gentille. Quand tu étais à Londres, que je suis venue, c'est la femme-là qui me donnait le poisson avec la tête. Je ne dois pas pleurer. Avec tout l'argent que tu travailles aux nations, si je mange maintenant les choses qui sont coupées, elle dit que c'est pané. Je ne suis pas pané. Mon fils vient me chercher. Viens chercher ta maman. Tu m'amènes dans ton bureau. Ta femme me fait peur. Elle me menace. Viens me chercher, sinon je pars, je rentre. Tu sais que j'ai laissé mon champ. Je préfère encore rentrer au village pour m'occuper de mon champ. Ta femme est méchante. Elle m'a servi. Elle me donne aussi la mangue. Ce n'est pas la qualité que je connais. C'est comme pour. Je ne connais pas les choses comme ça. Je ne mange pas. Depuis le matin, je n'ai pas mangé, mon fils. Ta femme est méchante. Il faut la chasser. Tu vas rester avec qui? Tu me poses la question. Mais tu vas rester seul, il va venir te préparer la nourriture, non? Quand je t'ai élevé, c'est qui préparait la nourriture? Tu vas me trouver assise à la sortie de l'immeuble. Je ne peux plus supporter de la voir. Il faut sortir de la maison de mon fils, il ne faut pas te voir. Tu es méchante, épaisse de sorcier. J'insulte ta femme. Quoi? Je ne dois pas l'insulter, pourquoi? Non, mais comme tu défends ta femme maintenant, je pars. Je pars alors. Tu vas aller expliquer aux gens au village pourquoi je suis partie. Je me tais. Ta femme ne me console même pas. Elle dirait qu'elle n'a pas de maman. Est-ce que tu as une belle-mère là-bas? Elle voit ta mère, elle ne peut pas me consoler. Elle ne tresse même pas mes cheveux depuis que je suis arrivée. Elle ne lave pas mes pieds. Elle ne m'a pas repassé les habits. Elle me donne un gros pull vert. J'ai déjà froid dans ta maison. Je t'attends, mon fils. Oui, mon fils. Merci, mon fils. Pas prendre une femme qui ne connaît même pas préparer. Où est la tête du poisson? Vous qui m'écoutez, où est la tête du poisson? Je veux rentrer au village. Je préfère aller m'occuper de la tombe de mon mari.